Yon sur science. Yo, science. Yonce. Yo. Merde, c'est pas la bonne scène non plus. On est déjà presque en game de notre côté. Efficacité à son paroxysme. On va directement dans l'action. Alors, bienvenue, installez-vous. Non, en fait. Je n'ai pas le temps. Toute votre Asseyez-vous, vie, relevez-vous. vous avez couru après votre propre destruction. Et pour rien. J'ai commandé Uber ce soir. Oh non. C'est tellement gras que j'arrivais pas à finir mes trucs alors que j'avais encore faim. C'est juste que je pouvais pas le manger tellement c'est gras. Oh. Du coup là j'en suis à un stade où je peux faire une bouchée à peu près Ah toutes les 20 minutes. oui, t'es quand même persistante. Mais j'ai faim! J'ai faim, c'est juste que mon corps ne peut pas tolérer. C'est trop d'un coup. Mais t'as commandé quoi? Burger King, il faisait un burger Quoi? montagnard végé. Mmh. Genre patate salée. Ouais. L'abus est total. Aïe. La lumière de Non! brûlait. Et puis, Je vais tu où, n'es plus moi? rien senti. Allez, Comme retourne les The top. Hurricane Bitch. Oh, vas-y, je reviens un coup. Allez. Allez, vas-y. Allez. Et du Allez, coup, la vidéo d'Augustine là. De quoi? La vidéo d'Augustine. Ah ouais, elle met pas bien. Hein. Mais c'est terrible. Et puis, quand je lui demande mais comment t'as fait, la réponse que genre, c'est par dépit. Mais en vrai, Qu'elle a dû survivre. genre, moi je sais pas comment elle a fait, même moi, tu vois, je sais pas comment elle a fait. Bah, en vrai, genre vraiment, c'est le cerveau, tu sais, quand il est en mode t'as pas le choix C'est ça, et mais en que fait t'es elle était tellement. super fatiguée. Oui, c'est ça, t'es tellement mort en fait que t'es même plus disponible pour avoir Oui. peur. Je me rappelle, genre, ça me faisait un peu ça, pas dans le même contexte, mais genre par exemple, quand on jouait à cache-cache quand on était petit et Oui. qu'on devenait complètement maboule. Tu sais, quand il y avait des gens qu'on invitait, genre vraiment on était à fond. Et du coup, tu vois, genre je me mettais à courir et à grimper sous les buissons et tout, alors qu'il y avait des araignées, je m'en foutais, genre Ah t'avais oui. l'adrénaline qui était là. Là, l'adrénaline a des pourrailles. Je suis tout Putain, tout c'est pour petit pour les taux. Oh le luxe, oh le luxe. Mais ouais, non, mais là de là à dormir avec les trucs. Oh, oh rien! Oh, tiens. Un peu con mon Sinjed là. Accorde-moi le savoir. Pas de bol. Le nôtre aussi est un peu con. On monte vite à la tête d'être des Singed. Le néant ne désirait rien, mais à présent, nous désirons tout. Sept kills à 4 minutes. Mais bien. Attends, j'arrive sur vous. Ah merde, je suis parti moi. Ah mais c'est toi le poney aux sabots enchantés? Oh, il y a quelqu'un là. C'est un lecton. L'humanité est l'architecte de sa propre destruction. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'est-ce qu'il a contre le poney?
Les Sinjin, c'est une grosse tête brûlée, il se suicide pourvu que j'ai des kills. Il a ok, man, c'est la bonne. Le suicide et la guerre. Aïe. Tu m'as dit alors que je suis ton seul. Vous pensez avoir gagné, mais vous vous trompez. Aïe. J'ai des yeux. Forte. Je vais réussir à me les faire. Silence, je serai là. Bien. Bon, moi je commence à être un peu malade. Non. En fait, si on est tous malades avant Noël, on devrait être bien coordonnés pour qu'il n'y ait pas de soucis. Ouais. Est-ce que je viens et j'arrive? Ou alors on demande aux darons de faire une piqueuse de vaccin avant Noël. Ouais. Attention, par contre, mon Ranek il arrive sur. Non, je sais. Je vais faire Drake, moi. Des gens, des bots. T'as dit quoi? J'allais dire le S-word encore une fois. Non. Bon, les messages que t'as envoyé à Ogu, je t'imaginais trop en train de les dire. J'avais comment t'as réussi à survivre à ça, putain? Mais c'est horrible, putain. Oh là là, je les ai massacrés. Ils ont voulu venir à Gank top. Le pauvre petit pouce. Un bon serviteur, ce Sinjin. Oh, le Malphite, il a essayé de s'enfuir. Ah. Oh, il a réussi. Et c'est pas enfui. Et ce n'est pas une menace, le Slinked en face. Aïe. Oula. Oh merde, elle m'a eu. Oh nul. Calme. Ça me fait bizarre qu'ils aient pas mis encore un message en face.
Genre, PK, broke. Genre. Ouais. Champion de merde. Truc du style. Ouais, it's fun, are you off, no life. Oh, qui orange. Vas-y, attends, on lui fonce dessus. Claro. Oh non, il a loupé son truc. Une course. Vas-y, on se fait le... Oh. Tu lui dashes la gueule. Oui. Oh merde, c'est des conneries. Oh, mais elle marche pas, ma... Danse de la mort, elle m'a pas rendu assez de vie. Death dance. C'est qu'il y a d'en avoir plein le cul ici, Jen, il arrête pas de la traumatiser depuis le début. Oh putain, presque. Oh, il était presque. Ah, je suis à la pied. Bon, ben moi je vais sur le Nash. Au calme. Mais j'arrive. Non, laissez-le moi solo. Vous avez des je vais voir si j'y arrive. Bon, je suis sûr que j'y arrive. Ça va juste prendre du temps. Il y a Katarina qui vient vers toi. Il y a Katarina dans la game. Non, oui, c'est pas mal, machine, qui est fine. Ah, bon. Y'a quelqu'un là? Oui. On va faire une belle armée de mignons après ce match. Allez, je le ramène vers toi là. Oh non! Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ai pas poussé? Bon, regarde, tu vois, il te laisse pas faire ton match. Ouais. Mais arrête, elle a gobé! Elle est chiante! Le mettre où je veux. Vas-y, ben mets-le. Ça m'étonne qu'ils aient pas effet jusque là. Hein. J'ai pas assez de mignons à mon goût. Plus de mignons. Ils sont les bestioles. Ah, là, sont là, sont là. Ah, les poissons. Oui. Nice. Hey, mais GG. Oh, les mecs, ils ont un mental d'acier. On aura tellement craché sur la gueule. Bravo à eux. Mais j'ai pas mis de musique, il manque toujours un truc. J'ai eu qu'un S hein, quand même. Pour vous dire. J'ai eu qu'un S moins alors que je suis le top damage. Hein. Ah là là. Moi non, pas l'imitation du poney. Qu'est-ce que je voulais dire hein? T'as vu les belles images qui sont dans le chat hein? Ah oui, j'ai cru apercevoir ça tout à l'heure. Alors c'est des bactéries, c'est ça? Certains, c'est des bactéries. La première, c'est des bactéries, deuxième aussi. Troisième, un truc chelou, je sais pas ce que c'est. Quatrième, il y a une surveillance cellule, le gros truc marron. Cinquième, il y a un cristal et une bactérie. Et un gros cristal aussi. Et la dernière, c'est un trou noir. C'est ça.
Regarde, ça c'est Pokémon Go. C'est Alors, je partage le mon écran. pingouin, c'est une bille. Afin qu'on voit toutes les belles cellules. Voilà, on a vu les belles cellules. On t'entend pas du tout, du tout. Et moi? Oui. Vous m'entendez pas? En tout cas, moi je t'entendais très atténué. Tu m'entends là? Moi je t'entends. Ok, je sais pas ce que tu disais avant, du coup. Mais je disais que je partageais mon écran. Ah, ok. Demain, c'est férié. Et ouais. Et moi, vu que je suis... passé vite la semaine. Et moi, vu que je suis un gros con, bah, j'ai oublié de récupérer un dossier sur l'ordinateur du travail. Du coup, demain, je vais y aller. C'est pas de peau. Attends, mais t'es à là ou pas? Quoi, les jours fériés? Les jours fériés, les magasins sont fermés aussi. Pas fait. T'es à Limoges ou pas du coup là? Non, là j'y suis le jeudi. D'accord. Tu vas faire du télétravail? Ouais, c'est ça. Très bien. Pendant que je le regarderai assis dans un coin de l'appart. De quoi? L'avantage, du coup, avec mon travail, c'est que j'ai plus besoin de poser, prendre des semaines de vacances. Je peux faire mon travail à distance. Et ça compte pas dans mes vacances. Bah ouais, c'est pas des vacances, vu que tu travailles. Bon, tu travailles bien 7 heures par jour. Rassure-moi. De quoi? Rassure-moi, tu travailles bien 7 heures par jour quand t'es chez toi. Oui, 24 heures sur 24. Hein. C'est illégal. Mais moi, il y a un truc qui me fait bizarre, c'est que genre Pôle emploi, le contrat que j'ai signé, si j'ai des vacances, je dois poser mes vacances aussi. Ouais. C'est normal, et je dois travailler 20 heures par semaine. 20 heures. Mais Oh, je vais me poser une petite semaine de congé, là. Mais je fais quoi? Aïe, aïe, aïe. Acceptez l'aurore et faites taire les voix. Je suis trop con. Je suis trop con. Je voulais prendre Nunu, j'ai ban Nunu. C'est pas de peau. Je suis trop con. Il est pas intelligent. Venant de toi, ça va, ça me touche pas, Guide. Oh. Je peux non. Quand j'étais à l'école, il m'a dit exactement la même chose une fois. Qui ça? Un gars qui m'emmerdait. Ah, et tu lui as dit qu'il était con? Oui, je lui ai dit ça. Et il m'avait répondu exactement la même chose. Ah. Du coup, tu as été blessant, Alexandre. Tu as réveillé le trauma en moi. Tu devrais t'excuser maintenant de ta blague. Ok. Je serai à chaque ouvert. Vert de honte. Vert de honte. Oh, ils sont tous squishy en face. Ça va. Ça, j'ai vu des combos d'Aphelios aujourd'hui sur TikTok. Pense à toi. Ça va. Hein. J'ai eu une petite pensée. Non, mais le truc est beaucoup trop compliqué par contre. Dédicace. Les joueurs de Aphelios qui tentent de comprendre. Non, en vrai, on rigole, mais si un jour je le joue, Aphelios, parler italien. Bon, en fait, disons que moi je le joue, mais à moitié, c'est-à-dire que mon objectif n'est pas d'apprendre les combos. Ça fait plaisir. c'est pas comme si ton gameplay était basé là-dessus. Bah non, du coup, moi je me contente de m'adapter aux armes que j'ai, quoi, c'est tout. Mais non, mais comment ça, non? Si, ton gameplay est basé là-dessus, sur tes combos. Non. Comme tous les champions, d'ailleurs. Oui, mais les combos, enfin, moi, je fais mes compétences et je m'adapte, et des fois, je suis pas sûr de ce qu'elles font, je sais qu'elles font un truc, alors je me dis, il faut le faire plutôt que pas le faire. Et je le fais, et du coup, ça marche, mais j'ai pas forcément idée de ce que je suis en train de faire, parce que j'ai pas réfléchi plus que ça, mais... J'espère que t'es plus convaincante auprès de ta conseillère pour l'emploi. On ne vous parle pas beaucoup. Voilà pourquoi je ne parle pas.
Et des fois, elle sait qu'il vaut mieux qu'elle parle pas. C'est mieux comme ça. Tiens, pour les viewers, je peux raconter une petite anecdote aujourd'hui. Vas-y, fais-toi plaisir, ils sont très nombreux. Mes tétons à ma superviseur, non, je déconne. Mais quoi encore? Le mec, il arrête pas de se tirer une balle, moi j'aurais envie de mourir. Non, du coup, j'étais parti pour aller à mon lab aujourd'hui, et il y avait le marché, il y avait un gars qui faisait en sorte de vouloir distribuer des trucs un peu gratuits, tu vois. Et du coup, je regarde un petit peu, parce qu'il y avait un gros attroupement. Et le gars, il commence à donner des petits goodies, etc. Il était là, oui, de toute façon, moi, je suis pas ici pour l'argent, etc. Moi, je suis là juste pour faire de la pub, etc. En tout cas, restez jusqu'au bout. Si vous m'écoutez jusqu'au bout, vous repartirez avec un parfum gratuit et tout. Il y avait plein de parfums, tu vois. Ouais. Et du coup, tout le monde, on attendait, tu vois, il n'arrêtait pas de blaguer. Oui, justement, oui. Quand vous repartirez avec le parfum, vous prendrez le QR code en photo pour faire revaloir un petit peu les parfums français, etc. Et tout. Vraiment, il n'arrêtait pas de dire que c'était des gratuits, etc. Et tout. Ouais. Pendant 10 minutes, je suis resté. Et à la fin, il commence à faire son speech et tout, et il était là. Oui, vous allez repartir avec chacun 4 et tout. Mais pour ça, il faut donner 20 euros. Ah, ben voyons. Il est fort, il est fort. Mais Alex, je comprends pas pourquoi ton micro, il varie autant comme ça. Je sais pas si ton Discord, il est sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. Sur mon ordi. Peut-être si tu mettais sur le téléphone, ça serait mieux, je sais pas. Bon, Nordu, que t'es arrivé au moment de l'anecdote. T'es arrivé au climax du stream. Donc t'en fais pas, c'est pas grave si tu fais qu'un petit passage. Il y aura rien de mieux ce soir. C'est le meilleur de nous. Toi, tu joues Senna maintenant? Bah, ils ont Banafelios. Ah, pas vu. Défaite. Putain. En fait, quand tu te concentres, ça marche mieux le jeu. En fait, je crois que genre mes graphes, je les envoie un peu au pif d'habitude. Genre, à force d'en avoir envoyé des centaines des graphes, voire des milliers, je suis en train de dire. Genre, mon cerveau il le fait un peu tout seul le grab. Alors que quand on se concentre, ça marche mieux. Bon, après la Tristana, enfin la Morgana aide un peu, mais. En tout cas, merde. Il était très fort, hein, ce gars marketing. Je m'en souviendrai toujours. Et alors, il y a des gens qui ont payé 20 euros. Bah, je sais pas, mais il y en a plein qui sont partis comme moi et tellement désabusés, tu vois. Il a dit quoi? D'ailleurs, j'arrête de venir quand il y a des live art. Désabusé. Sinon, je reste une bonne demi-heure à parler tout seul. Désabusé. Ah merde. T'es venu sur un live? Oh, c'est trop triste là ce qui se passe. Oh, c'est terrible. Tu veux que tu fasses un live d'excuses pour Norduk? Ouais, c'est lui. C'est bien celui-ci qu'on a live d'excuses. Attends, quoi? Mais pourtant, je check toujours. Est-ce que j'étais au courant qu'on était en stream? Est-ce que j'étais habillé ou pas sur le live? Oh non, il nous a fait une Bob Lennon. Ah non, pas la Bob Lennon. T'imagines quand même, genre, pour me déshonorer, il a continué à vivre après ça. Ouais, j'avoue. Il ne s'est pas enterré. Je croyais que tu parlais de Norduk. Non, on n'a pas plein de... C'est terrible, les deux sont terribles. Tragédie humaine. Pourquoi Morgana, elle tente rien? Elle met pas de Z, elle met rien, son mana il est plein. J'essaie de venir ou pas? Un peu. Ah merde, il allait se foutre derrière l'autre là.
Non, c'est dommage. Oh, un peu plus celle de CC. T'es venu quand, Norduk? Dis-moi tout. T'as, t'es quand même resté une demi-heure, t'es persévérant, hein. Allô. Mais il y a la dernière fois, je suis venu sur la carte. Le chat. Mais c'était pas déjà arrivé. Oui, est-ce que tu parles de la fois où c'est déjà arrivé? Ou est-ce que c'est arrivé à nouveau? Non, mais il va t'en vouloir toute ta vie en fait. Parce que si t'as compris. Mais... Si c'est le même, ça va. Mais si c'est encore arrivé, là c'est plus grave. Ah. Ah, perdu dans la dent. Fuyez. T'es bien. Je te. Ouais, là, rien. Oui. Non, c'est bien, c'est bien. Quand j'arrive. Ça va. Bah, reste. Mais on s'en va. Oh, j'ai fait trop tôt. 8 secondes. Mais putain! Oh mais non, j'ai même pas d'assist, mais vas-y! Ah merde! Bah dis-toi que moi je l'ai ignite, mais on l'a pas eu. Tout le monde est triste. Oui, les deux fois où c'est arrivé. Ah oui, donc c'était normal. Mais je t'ai répondu au bout d'un moment. Ouais, mais bon, c'est triste quand même. Alors, Norduk, tu vas être content parce que si tu remarques, genre, techniquement, d'ailleurs, je le vois pas trop, si. Tes messages s'affichent sur l'écran maintenant, c'est une nouveauté du stream. Et du coup, ben, on aura toujours une trace de ces incidents si ça arrive. On verra que tu mets des messages. Donc, dis-toi que si je le vois pas en live, je les verrai en VOD. Vois, genre, pire annonce. Là, le problème c'est pas le streamer, c'est le fait qu'on n'a pas encore assez de viewers et que vous pouvez pas discuter entre vous dans le chat. Ouais, c'est ça. On va faire de la pub ça à tes potes Norduk. Tous les problèmes. Va harceler tes collègues. Mais notre live sur la télé de ton bar local. Non, c'était Norduk qui avait un bar local. Non, c'était Soul. Ah oui, je me disais bien. Oui, c'était Saul qui était monté sur le toit de la chapelle Sixtine. Alors, pas la chapelle Sixtine, mais oui. Presque ça. J'ai l'impression de voir un pattern quand même chez nos viewers. Une tendance au chaos. Comment ça? Bah genre entre Saul qui monte sur les toits et Riken, pigeon qui fait des lancers de crabe, un truc comme ça. Bah. On attire les plus gros déglingos. Et Grataga qui ah veut oui, la bagarre. Non non mais Grataga qui est le tueur en série. Excuse-moi. Oui aussi, l'accessoire. Pourquoi? J'ai tout bien fait, c'est moi qui me prends le plus cher. Bah tu supports. Mais elle en veut. Qui veut la chine? Ah déjà j'ai pas de barre ensuite. J'ai déjà fait la pub mais j'ai envie de garder mes potes, merci. Comment ça? Ou alors on n'assume pas le live de tonton. Ah merde. Je regrette mon heal. Je crois que t'as heal un peu trop tard, non? Ouais, probablement. Shyvana qui est au Drake. Merci. Merde, 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 faut pas la laisser faire. Faut pas la laisser faire. Faut pas le faire, chef. Ouais, bon, pas bien, pas, chef. Hein. Pas bien, faut pas le faire. Bon, bon, ouais. Merde, 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 j'ai pas entendu. J'arrive. Na, prépare ton R. Putain, je voulais prendre les boîtes. Ah. Mon ult, il sert à rien beaucoup. Non, mais je sais, mais by c'était pour nous. Non, mais by the way, en fait. je t'explique. En tout cas, Soul voilà, qui monte sur les toits, Nordic qui parle seul dans un chat et Grataga qui font rien. Grataga, il co-anime.
D'ailleurs, Gartagué, en ce moment, il est en Allemagne, je sais pas ce qu'il fout. J'espère qu'il va pas mettre le bordel comme en 40. Putain. Yeah. Je crois que dans 10 ans, on fera toujours les mêmes blagues sur la Seconde Guerre mondiale. On se sera lassé. On va se faire cancel. Incroyable, mon chien, je... Mais je suis nul! Qu'est-ce qu'ils branlent, les sbires? Non, je peux pas. Ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ok, ok, yo! Oh! Ok, ok! Ok, yo, tu puces aussi! Mec, il va okay, rap nul. Ok, yo. C'est pas très beau. Tu perds le show. Je suis Big Flo. Je suis Big Flo. Et ça, c'est mon refrain. Oli. Toi, ta voix, elle ressemble. Et du respect. Genre, ta gars devient gros na. Il nettoiera tous ceux qui ne savent pas acheter des pigeons. J'ai pas compris la fin de Grona. Peut-être c'est une ref, mais j'ai pas la ref. Attention, on a plus de midlaner. Ah non, c'est parce qu'avant il était gras et maintenant il devient gros. Ah. Si j'ai bien compris. Et du coup, ça fait le N-word quelque part. Avec un accent. Non. Cette discussion n'a aucun putain de sens. Mais si. Parce que si tu... Mais non, c'est lumière, là. Non, non, si tu dis gros na et tu rajoutes gars, ça fait le N-word avec un accent. Je pense que c'est pour ça qu'il a mis 3 points. 2 points. Ah. Ah oui, putain, mais... Putain, je sais pas, mais là... Il est qu'un seul vrai raciste. Voilà, j'avais compris. Oh la vache, je suis assez raciste. C'est bien en vrai qu'on ait le chat affiché sur le live directement. Parce que du coup les gens maintenant ils voient un peu combien de temps on met à répondre et quand c'est qu'il arrive leur message sur notre live. Et ça en vrai pour le mental du viewer c'est important. Ils nous entendent, comment dire, ils nous entendent pas en même temps de toute façon. Mais non, bah nous aussi on est en décalé. Non mais nous on répond à peu près quand on le voit. Bah oui, mais toi sur le chat, tu réponds bien plus tard. Juste venir. Ah, sur ton live, je veux dire. Ah oui, merde, quand, je lis le message du live. Putain. Ouf, ma Ignite, elle m'a eu, elle m'a tout fait. Ah non! Putain, j'ai pris un coup. Ah, Chaco de merde. Oh, dragon! Oh, j'ai dit ah non, j'ai lâché un P et un contrôlé un peu. Oh non! Je te lâche. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, barre-toi, mais barre-toi! Bah, je sais pas, je crois qu'on continue à. Ah bah non, mais non, je te fais juste le cul! Je veux faire payer les messages qui ont droit d'apparaître sur l'écran. Je veux. Là, faudrait peut-être que j'étende un peu ma liste de Banworld. Je suis retombé dessus l'autre jour, ça m'a mis bien. De temps en temps, tu retournes la lire. Quand il y a des cas que j'aime pas trop. Oh, j'y vais, mais avant, tu feras du Overwatch 2. Moi? Moi? Non. Ah mais il faut s'adapter à la demande des viewers, non, puis le marché est sévère, le marché est pénible. À moins que je sois payé pour en faire le mec a un melon, je sais pas. Tu peux pas être payé pour jouer à un jeu qui est gratuit. Mais si, c'est une OP. Ça n'a pas de sens. Mais la Ketera, ils ont été payés pour jouer à LOL, hein. Ouais, c'est bien les seuls d'ailleurs. Oui. Tous les autres, ils sont automutiles. Mais arrête de me dire. Regardez, j'adore ce jeu.
Pourquoi je fais ça? Bon, là j'ai merdé. Là, je suis con. Ah, il y aurait Lyon. Oh, il y a Shiva. Oh. Oh. Oh non. C'est moi qui prends tous les types de dégâts, la merde. Mais merde. Il moue. J'ai pas de vie. Mais j'ai rien, je peux juste vous regarder vous détruire comme des teubés là. Faut reculer, il y a tout le monde. Mais il y a Shaqox. Non, mais il y a que Shaco. Il y a Lux aussi là-haut. Élémentaire, Mouchard Johnson. Mouchard Johnson. Ah, oh, je pourrais le tuer. Je peux le tuer. Et alors Oh, oh, oh. Bien. Attention, t'es prêt. Assassin de Londres. De Londres. Le mec, c'est Jack Léventreur. Oui, c'est ce que je dis. C'est Joe Léventreur. Dans la liste, là, il y a genre Norduc. Ah, ça va. On va dire que ça passe. Ce soir, en tout cas, ça passe. Tu aurais le droit d'être affiché sur l'écran. C'est pas l'assassin de l'ombre. Attends, Norduc, c'est qui? C'est le Belge ou pas? Non, c'est Saul, le Belge. Norduc, il est de Lille, si je me rappelle. Oh, il y a que vous qui cherchez à vous rappeler des localisations. Voilà, bah, c'est un Belge. C'est bon. Il y a que vous qui vous intéressez aux viewers, hein, moi. Le pigeon est honnête. Le pigeon a du mal à s'occuper de soi-même, de se rappeler le nom de sa rue. Alors. Regardez la gueule des nids de pigeons. Pardon. Ok, alors c'est peut-être pas à Lille, désolé. Non, toi t'es à Strasbourg, le pays de la saucisse. Oui, je reviens. On va mettre à faire le Drake. Si possible. Heureux, les viewers. Heureux. Ah, mais c'est chiant à chaque fois, par contre, j'enlève ma canne. Ma canne. Putain, ça s'apprend de travailler en iPad. D'AVC ce soir. Je suis malade, j'ai le droit. Il est dur à saisir, ce zouzou, hein. Oh, ça va. Continue comme ça. Mais pourquoi il est revenu? Parce qu'il essayait d'esquiver mon grappe. Mais je ne l'ai jamais activé. Ah. Du coup, il n'a cessé de revenir vers toi. Il n'avait pas pris en considération la range de Senna. C'est un gros débile, ce pigeon. Il est moche en plus. Mais est-ce que tu veux partir d'ici avec un coup de pied au cul, Norduc? Je te rappelle que t'es dans mon nid, là. T'es bien gracieusement invité dans le nid. Attention, hein. Le nid, c'est vous accepter, mais il s'est aussi bafouillé. Il s'est aussi vous rejeté. Aurélio, il est trop en mode à chaque fois. Venez, on va faire des trucs de ouf. J'arrive avec mon dragon céleste. 0-3. Et après, il fait de la merde. Je suis dans la merde. Dans la cage de Morgana. Tu pourras. Tu pourras. Il est mort. Bastia. Tu pourras. C'est de JDG. Genre, tu sais, il fait genre qu'il est en train de mourir, Seb, qu'il a de la mousse qui sort de la bouche. Et oh mon dieu, veut appeler un médecin. Et il fait, mais non, c'est juste de l'aspirine. Et il fait, mais Sébastien, ça se prend avec de l'eau, de l'aspirine. Et il fait, ah, l'aspirine.
Basquiat. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est drôle, j'ai déjà, je trouve. Non, bof. Non, c'est pas très bien. Enfin, vous auriez dû attendre le gracieux support. Hein. Non, non, vilain sbire. Alors. Et là, tu vois, je peux pas me dire, j'ai envie d'y retourner. Oula. Ah, mais putain! J'en ai marre! Bien sûr! Mais non! Mais non! Mais c'est quoi qui m'a tué à la fin? Comme ça passe à travers les clips, son bordel! Au revoir, bande de débiles. Mais Norduk, tu t'es cru où? Est-ce que dans la rue, tu parles comme ça aux gens? Norduk, il a complètement pété un plomb. Gérer l'utilisateur suspect. Surveiller Norduk. Attention, je te surveille. Norduk sera surveillé en tant qu'utilisateur suspect. You're very sus now. Ça, tu vois, c'est le problème quand il est tout seul. Une personne toxique comme ça, mais tu te trouves pas direct. Il est pas géré. Ah, je peux te restreindre. De quoi si je te restreins? Attends, je nuis. Oh. Mais bien sûr, mais c'est quoi plus... ça? Oh, c'est casse-couille. Mais en plus, regarde, elle est partie quoi? Quelle pute! Mais regarde-le, mais c'est vraiment un gamin! Maintenant, il y a les VOD YouTube, du coup, tout ce que tu dis, il y aura une trace. Du coup. Donc là, pour l'instant, t'es jeune, tu t'en fous, mais quand tu seras adulte, tu Quand tu seras adulte et que tu auras honte des vidéos qu'on a prises de toi, enfant, qui te mettent pas à ton avantage, qui sont en plus sorties de leur contexte. Attends, mais Aurélien, il est où? Oui, il est mort. Après, l'avantage sur le ban, c'est que ce sera notre premier banni du... et tu pourras faire des demandes pour qu'on t'unban et on fera des trucs. Non, mais j'avais déjà eu des demandes d'unban. Ah bon? Des mecs qui étaient passés sur Minecraft qui avaient commencé à être hyper racistes. Mais ils étaient jeunes aussi. Bizarre. Bizarre. Attention, on est surveillé par la Gestapo. Ouais, ouais. Voilà, pardon, Gestatimo. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Pourquoi ils sont tous plus rapides que moi? Bon, bah. Mais j'en ai marre, de toute façon. T'as déjà été ban. Oui, t'as déjà mis... été ban. Oui, mais c'était pas par. Il a été mis dans le couloir, hein. C'est Sol aussi qui a été ban. T'es fou, hein, ces vieux joueurs qu'on a. C'est des gros haters. Ouais, on se focus. Mais c'est quoi cette Shiva? C'est Shiva qui fait autant de damage alors qu'elle est partie un peu tank. Je ne l'explique pas. Hein. Ouh! Hocus pocus! Elle m'a dit. Bah, bordel, elle m'a juste mis son ult et elle m'a tué. Elle m'a ignite U. Mais bien. Elle m'a nourri. Dommage, j'avais mon ult, j'allais la tuer. J'avais dodge la cage, j'avais bien joué quoi. J'ai le nez qui coule en continu, la saline, c'est parti. Oh. Trop bien. Yeah.
Ouais, putain, mais les gens malades dans le bus, c'est un délire aussi. Comment ça? Tu pensais quelqu'un genre en particulier? Ah. Mais non, mais genre aujourd'hui, genre j'avais des gens qui étaient debout, c'était bleu, bleu, bleu. Bleu. T'allais dire quoi? Attention, il y a quelqu'un dans tes zouzous, quoi. Mais il... je suis en train de me battre avec lui. Oui, je sais, mais j'ai dû faire le tour. Mais tu vois rien? J'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans le bush. T'es myope ou quoi? Attends, mais qui c'est qui joue avec un ghost? Ah, c'est le bébé. Là, y'a des gens qui arrivent. Y'a des gens qui arrivent. Bordel de merde. Putain, le caillou. Wow. Ouf. Oh non, putain, il y avait un champignon. C'est qui le caillou? Le truc qui me tape là. Allez, Krug. Le Krug. Allez, Krug. Krug, Krug, Krug. Krug, Krug, Krug. On dirait des oiseaux avec leur feu s'envoler. Je sais plus ce qu'il dit. On dirait un oiseau à sa façon de voler. Krug, Krug. C'est un artiste. Oh. Eh oui. T'aurais dû s'en douter, hein. Il était gay. Qu'est-ce que tu racontes, non? C'est incroyable. En vrai, il y a une théorie sur laquelle Ron est Dumbledore, oui, et que Ron est gay, par conséquent. Et il est Gandalf aussi, n'oublie pas. Ah oui? Oui, parce qu'une théorie comme quoi, genre Harry Potter se passe dans le même univers que aujourd'hui, le Seigneur des Anneaux. Cinq théories sur Harry Mais Potter. C'est littéralement dans ça que je l'ai vu. Le saviez-vous? Salut, c'est Didi. Salut, c'est Didi Chambouidoui. Je chie. Qu'est-ce qu'ils foutent tous alors qu'il y a Drake là? C'est Drake avec ça. Rowling, elle avait dit que si elle avait écrit Harry Potter aujourd'hui, elle aurait mis plus de gays dedans. BGG à elle. J'avoue. Bonsoir. Oh non, pas les champignons. Ah, ce putain, tu me... Mais du coup, tu m'as fait claquer mon cul. Comment ça, je t'ai fait claquer mon cul? Comment ça, je t'ai claqué le cul? Mais putain, mais du coup, tu me fais claquer mon cul. Non, la tire pas vers moi. Mais go, la tire pas vers toi. Le dragon était littéralement sur elle. J'étais un peu plus loin. Ah, je crois que je suis mort. Non, ça va. Ah, je suis où ça? Je suis un peu con, moi. Hein? Oui, je suis un petit peu con. Putain, j'arrive pas à me concentrer. Hein. C'est pas facile à jouer, Pike, là. Le problème, c'est que t'as pas droit à l'erreur. Et moi, j'aime bien quand tu joues, là, t'en bats les couilles depuis de place, là. Hein. J'aurais pas été sur le jouer tank. Oh, mais si ce perso pouvait être joué tank, ce serait le meilleur perso du jeu. Si je pouvais juste acheter des PV. Si je pouvais juste être complètement abusé. Ça n'aurait pas été...
Faut le monde me tombe. Moi, tu passes quoi? Je sais pas, on est tous là. En tout cas, il y a eu énormément de feux d'artifice à Grenoble ce soir avec Halloween, je sais pas si c'est lié. Ah bon? Ouais, mais vraiment beaucoup, beaucoup. De drogue. Genre on aurait dit que c'était comme à la fête nationale. Ton câble. Oh non. Je te protégerai de mon corps. Oh là, bien non, bon. C'est, oh non, il y a une drogue de miocle. Je crève. Et je sais quel champion je ne vais pas jouer. Ah mais tu me dis, il m'en manque qu'un jeton de maîtrise, ou peut-être deux, maîtrise 7, avec Pike. Oh, il me visse les pieds en bas là, parce que je peux pas me concentrer quand j'ai les chevilles en l'air. Oui, les chevilles, c'est très précis. Juste les chevilles. Ah oui, d'ailleurs, tes tendons, ils vont comment? Bon, j'ai encore mal. J'ai essayé de vider l'eau des pattes, ça m'a fait une décharge. Oh putain. Et le mec, ça se trouve, il a le pony pété, mais bon, au calme. Non, 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 non. Le mec, il dit juste pété. Non. Non, c'est pas ça. Non. Enfin. Mais non, mais c'est pas dans le poignet, c'est plutôt dans les doigts. Ouais. Oui, dans les doigts, mais genre ils ont, il a les tendons, je sais pas comment on dit. Ligaturé. Il y a Thibaut qui se promène dans la base. Mais pourquoi il est aussi tanky là? Regarde son stuff. Oh, il se TP. Bon. Bon, mon gars. Alors on est nul. Je ferai tout ce que je peux, hein, mais. Ça m'aurait fait chier qu'il me tue quand même. Ouais. Oh, faudrait que je mette mon écran. Faudrait que je mette mon écran de stream du coup en plein écran. Et du coup je lis les messages sur l'écran de. Ouais non c'est con. Bon, qu'est-ce qui est le plus con? Parce que là, oh, c'est trop dur de réfléchir. Tu vois, ça c'est la réponse typique de la plupart des gens. C'est trop dur de réfléchir. Et du coup, ils font que des conneries. D'accord. Il y a du mouvement là. J'ai besoin d'aide aux dragons. C'est l'âme pour eux. J'avoue. Il a cassé ma ward. Elle est sur one. Mais elle est trop tanky, elle fait trop mal là. Ouais, c'est incompréhensible. Big break. Ok, on va attendre DD peut-être. Et ils sont tous, tu vois, ils sont tous tanks, mais ils font une masse de damage. Bon, faut que je me barre. Aïe. Plus fort. Moi je rentre à la maison moi. Oh putain j'ai pas mon smite là. Attention à Tibus. Faut tuer Shyvana, le smite. Ouais, c'est bon, elle est morte. De retour. On jouait des mauvais tours. Oh. Mais regarde ça, je me fais what the... Peu importe ce que je fais. C'est quoi qui m'a tué, là? Il y a un champ... Ah, c'est Ezreal, il m'a mis un combo. C'est Timo Tank qui t'a tué. Non, Timo, il m'a mis que 230. C'est Ezreal, il m'a mis 1000. Et il m'a mis tous ses sorts. Pauvre.
Je crois que si je rajoute beaucoup de sucre dans mon sirop pour la toux, ça va annuler son effet ou pas? Ça sert à quoi le sirop pour la toux? Bah... ça aide pour la toux. Ça aide à quoi? Je sais pas, ça apaise la gorge peut-être, genre... ça met des particules qui soignent. Oui, qui soignent, bien sûr. Je sais pas, j'en sais rien du tout à quoi ça sert. Ignorant. Enfin, bref. C'est peut-être anesthésion, je sais pas. Bah, c'est pour problème... la douleur, quoi. Oui, c'est ça, donc il est un peu anesthésiant. Le problème est que j'ai un sirop, ma fille a un sirop, il n'y a pas de sucre dedans. Et que la décoction dégueulasse. Là, je vais retrouver Doud, elle sera encore malade, elle va me prendre une idée. Pour l'instant, je suis toujours sur la pente descendante. Hein. Chaque jour, je me lève, c'est pire que celui d'avant. C'est tout doux, mais c'est chiant. Jusqu'à ce que tu crèves. Tout simplement. Ce n'était pas juste un rhume. Enfin, juste le Covid. Trois faits bizarres sur le pic de ma grandeur. Mais putain. Putain. Sur ce, see you next time. Avec Dédé, on va faire des trucs bien. Ah non. Ah ouais, elle m'a mis 938 avec son ult. En même temps, elle est jamais morte. Ben voyons. Un endroit où il sera un peu plus proche de moi le micro, mais qui me gêne pas non plus. Ah là, je serai mettre mes jambes. Dans le truc, il a saturé de ouf. Ça fait les proutes. Oh yo. Bon, je m'étais promis de plus le faire, mais du coup, pour Arc, t'as prévu quelque chose ou pas du tout? Bah du coup la prochaine fois que j'ai de l'internet potentiellement après là on ira chez ton ouais. Père voir un de ses sous on va manger un peu au repas chez lui et on installe la marque là-bas au moins tu oui dépenses. Mais j'ai prévu le repas c'est samedi bah cette ce bah attends, si c'est samedi début donc voilà ce sera le seul moment où je pourrais. Ça, du mais de toute façon à Verneuil t'as laisse tomber hein, genre enfin, je vais essayer, hein, mais tu verras bien que ça sert à rien. Oh, t'es de mauvaise foi. Ouais, bien sûr, j'ai pas souffert suffisamment de l'internet de Verneuil. Non, mais pour installer un jeu, t'as pas laissé tourner. On y va un peu tôt l'après-midi, on va aider. Ouais, non, mais genre, même ici, ça m'a mis toute la nuit. Avec mes données. Ah bon? Parce que tu réalises. Bah, on dormira là-bas s'il faut. Ah, tu me diras, moi ça mais je vais pas dormir à Verneuil, je préfère me suicider plutôt que dormir. Est-ce que tu viendrais pas un petit coup chez ton bon vieux frère qui a un câble internet? Attends, je vais à Grenoble pour installer Arc. Non, mais tu vois, genre j'ai besoin d'internet pour plein de trucs. Genre là, par comme exemple, je peux pas mettre à jour mon téléphone. Mais non, mais. Je suis dans une situation précaire. Donc là, j'en. Donc, t'en es au stade où tu vas attendre de faire une formation de 6 mois pour pouvoir faire des stages, pour pouvoir travailler et avoir un salaire. Peuvent apporter un salaire, mais. Tu vas avoir un salaire et à ce moment-là, tu te prendras une connexion chez toi. Bah en fait, j'aurais pu avoir de l'argent avant, le problème étant que je n'aurais pas d'alloc. Donc... Mais pourquoi t'auras pas d'alloc? Bah parce que je suis rattachée au foyer fiscal des darons.
Du coup, ils considèrent que les darons me donnent de l'argent. Mmh. Enfin, ce qui est vrai, mais... Et tu leur avais dit aux darons ? Bah, oui. Et alors ? Bah, ils ont dit qu'on en reparlera. D'accord. En plus, je lui ai remis la dose à ton père, du coup. Parce qu'à un moment, il m'avait appelé pour la carte grise de la voiture. Oui, je sais, tu m'as dit, et je crois que mon père me l'a dit. Ouais, mais du coup, il t'en a reparlé après. Bah, il a pas évoqué cette question-là en particulier, il m'a dit oui, d'ailleurs, Alex m'a appelé. Bon, Timo, il essaie de tryhard, hein. Mais j'avais réussi à le télécharger, Ark, c'était même pas ça le problème. Je sais. Le problème, c'était les DLC. Mais non, mais... En fait, tu me fais souffrir avec ta vie. Moi aussi, je souffre. Ce mode de vie ne me convient pas du tout. Ouais, j'ai l'impression d'être un saltimbanque. Mais non, mais... J'ai pas... Va vendre du hashish, un truc. Mais c'est pour eux aussi. Ah, mais je me suis pris un dégât collatéral. Aïe. Je sais pas, tu fais des dessins et tu les vends et ça te paye ton internet pour pouvoir les vendre. Mais non, mais je dessine même pas. Oh. Ça fait 3 mois que j'ai pas dessiné, même plus, c'est peut-être 4 mois, je sais pas. Ah bon? Mais oui, genre, je suis morte à l'intérieur, je n'ai plus d'énergie. Mais oui, non mais genre, vraiment, je suis là, am I alive? Mais c'est dû à quoi? Je sais pas, fatigue. Ouais. C'est pas normal? Non. Life is agony. Pour la chore. Ah, j'aime pas quand ça coule pas depuis un moment et d'un seul coup ça te fait une petite cascade dans le nez. Toute fraîche. Je suis en 6-14, j'ai envie de crever. La Lux, elle est toujours pas morte. Hein. Ah oui. Oh, ils sont là. Il y a Timo qui s'est tryhard encore. J'ai loupé un ennemi. Mobile, tout va bien. T'en fais pas, ça arrive au meilleur d'entre nous. Ouais. Attention, ils arrivent. Quand la musique est bonne. On est en train de faire le Drake, le Nash. Oh, c'est chaud. Mais putain! Motus, Motus! Non, mais putain, il m'a même pas visé, il m'a buté, Ezreal! Mais en fait, la Lux, elle est même jamais low. Elle est jamais morte, elle est jamais low. Bon, j'arrive. Jamais morte, jamais low. Oh, je suis fatigué. Ouais, du coup c'est le problème, genre depuis que j'ai une vie sociale, genre quand je suis chez moi, genre je peux juste dormir en fait. Et heureux. Ah, elle était plus là. Bon. Ah là,
j'en suis au stade, j'ai envie de t'héberger chez moi. Non. Comme petit Smith. J'ai eu un A. T'as eu un A. Mais je dis pas. Na, je suis prêt à ce qu'on fasse un truc. Donc, on ira chez ton père. S'il faut, tu laisseras ton mandat juste un soir là-bas. Et le lendemain, j'irai le chercher. Tu seras pas mais non, mais... mais Alex, moi, ça me fait... je sais pas si tu te rends compte. Genre, aller en bus à Verneuil, ça te prend la demi-journée. C'est pas grave. Les bus, il y en a pas toutes les heures. Hein. Non, mais de toute façon, si c'est trop compliqué, ça sert à rien. Ah, t'es déconné. Non, vous m'entendez pas? Je te vois plus, sur LOL. Ah oui, putain, j'ai fermé. Mais moi, de toute façon, je tue une dernière game et j'arrête. Oh. Oh, mais tiens, il y a le sol. Salut, mec. Bonsoir. Comment ça va? Oh, notre belge préféré. En même temps, c'est le seul. Je crois qu'il y en avait un autre là, qui était belge, là. Qui passe moins souvent. Oui, c'est quelque chose. J'ai eu une nap pop 30 sur une microseconde et après il reparti. Ouais, moi aussi. Je suis là. Bah vas-y, mais on a rame du coup, Alex, si c'est la dernière. Pigeon, j'ai vu ton sosie. Ah, ça m'intéresse. Dis-moi en plus. T'as vu passer un phénix devant chez toi et... T'as tout de suite vu la ressemblance? Bon, vraiment, c'est l'histoire de ma vie. Hein. Des gens qui me disent qu'ils connaissent quelqu'un qui me ressemble. Ou quelqu'un avec qui je m'entendrais trop bien. Genre, vraiment, il est toujours en mode. Mec, je connais un gars, tu t'entendrais trop bien avec lui. On me le dit. Genre, toutes les personnes qui me connaissent me l'ont dit à un moment. En fait, ils se rendaient pas compte que ce mec dont ils parlaient, c'était moi, mais il m'avait oublié. Bon, bah, on va jouer à Kaisa. On joue Kaisa. Monsieur, j'ai deux rôles. Parce que je te vois avec ta vieille Jana là. Alors j'ai anniversaire à te proposer. Et chasse. Vas-y, on voit le chasse. Êtes-vous le chasseur? Dans la brasserie où je travaille, j'ai servi un mec qui te ressemblait, mais de fou. Du coup, je le regardais trop mal parce que pendant un moment, je croyais que c'était toi. Ah, je te l'aurais dit quand même si je venais en Belgique. Ah, trop drôle. Ouais, mais il aurait pu savoir. Comment tu aurais pu savoir que c'était Saul? Oh. Chaque belge que tu croises, tu dis est-ce que t'es Saul? Mais en fait, j'ai plus le temps de toutes les brasseries du coin. Non, j'ai pas fini. Ah, c'est trop marrant. Genre, j'ai un sosie. C'est pas très... J'imagine bien regarder les gars en mode chelou. C'est pas très dur de me sosier parce que j'ai pas non plus. On va dire. Si t'as un peu de barbe, des lunettes et les cheveux longs sur le dessus. T'as un peu plus de chance de me confondre. Ma mère aussi, à un moment, elle avait cru que j'étais allé. Que c'était moi qu'elle croisait là où elle bosse. Et non, c'était juste un mec. Random dude. Du coup, le marcheur arnaquant, il m'a donné du coup un porte-clé avec une peluche de chien. Bon chien. Métal contre métal. Et un stylo peigne. T'aurais dû lui demander ça, le mec. Dis gars, t'as pas une chaîne Twitch? Par hasard. Le gars répond, une quoi? De quoi tu me parles? Je suis revenu pour tous ceux qui n'ont pas eu cette chance. Je connais que trop bien ces chroniques. Arrêtez, mais me cassez pas les couilles. Couille.
on a commencé si bien le début de game. Ah non. Non mais genre je le servais puis je le piquais bien fort. Faire fuir les gens qui sont en bas. Monsieur, il y a un problème ? Non, excusez-moi. C'est juste que vous me rappelez quelqu'un que j'aime bien. Vous me rappelez quelqu'un. Et moi, je vous aime bien. Bon, je peux fatiguer, pas m'en vouloir. C'est ce qui s'est passé juste après. Après cette déclaration. C'est vraiment ce que je voulais dire. Ils sont gros en face, non ? Gros mammouth. Après, je sais pas trop pourquoi j'essaie de mettre des autos alors que je suis full AP. Bon, je lui ai servi un coca bien frais. Il a attendu 30 minutes avant de le voir. Il devait être tout chaud, ça devait être dégueulasse. Alors attention, on a des avis qui pourraient dire le contraire ici. Le coca chaud, tu vois, dans certains contextes, c'est pas mal. Coca chaud et précise. Sans bulle, bien sûr. Bien sûr. Très important. Coca bien frais. Attends, j'imagine toi, tu devais avoir le seum. Genre, tu te fais chier à lui amener son coca bien frais. Et le mec il met 10 ans à le boire. T'as quand même analysé la descente du gars. Oh merde. T'es malade. T'es complètement folle, ma pauvre Bernard. Attends, ça marche pas. C'est mon fada. Nah, je peux l'améliorer. La peur est un fardeau. Un chasseur doit être agile. Plus d'être raciste, elle est folle. Folle. C'est pas la folie, c'est de l'audace. Il faut retirer les gens toxiques de ta vie, comme les bulles de ton coca. Tu essayes, mais il en reste toujours un petit peu au final. Voilà. Oh non, tu t'es fait avoir par ton propre teammate. J'ai non. En vrai, je comprends pas comment des gens peuvent commander un truc en bar et pas genre le boire goulûment tout de suite là, à l'instant. Genre, tu fais comment pour conserver un verre pendant 30 minutes? Oh, mort. Ah si, pardon. Pardon, maître des ombres. Non mais genre, je passais de temps en temps pour servir d'autres gens pour voir s'ils avaient pas besoin de quelque chose et je voyais pas son verre descendre. Le mec, il est un peu suspect quand même. Enfin, pas toi, hein, le gars. Et du coup, je t'imagine, là, dans ton petit bar et tout. C'est marrant, je te voyais pas comme ça. Trop nul. Mais quand tu vas dans un pub et que tu demandes, ou un bar, que tu demandes genre du whisky ou du rhum par exemple, ouais. Genre avec quoi ils te le servent, genre comme ça? Bah ça dépend. C'est dégueulasse quand c'est tout seul. Il y en a quand même bien. Ouais. Bien sec. Pas de glaçon. Pas de glaçon, c'est pour les poules mouillées. Oui. Moi, je tiens à dire que je suis outré par les déclarations qui sont faites envers la société des poules. Donc
ouais, on serait une poule mouillée. On n'aurait pas le droit d'être mouillé quand on met une poule. Mais ouais, et un truc que je me suis toujours demandé, c'est est-ce que si tu vas dans un bar et que tu demandes un rhum coca, genre les gens ils vont te fixer, genre. Enfin, dans les pubs, surtout dans les pubs, je sais pas s'ils ont du coca. J'ai besoin de coca. Ah, oui, tu m'imagines comment en vrai? Je sais pas. Moi j'imaginais plus. Bon là n'empêche pas l'autre, mais genre profil gamer du coup, il fait sur Twitch. C'est vrai que tu vois directement quand tu vois les barman, tu les vois. Ils sont bien sapés et tout. Loin du vieux nerd dans la cave de ton oncle. Mais ça dépend si tu demandes avec des trucs en plus quoi. Le whisky sans rien, c'est une dinguerie. Après faut aimer l'alcool. J'en ai bu un peu du whisky la dernière soirée que j'ai faite. Genre en fait, le début a été compliqué. Et au bout d'un moment, on s'y habitue, mais vraiment c'est... T'en as bu sans rien ? Pourquoi ? Oui. Mais putain, tu devais être bien toi après. Non, non, moi j'étais même pas bourré, j'en ai pas pris beaucoup parce que genre, ça c'est un peu corsé quoi. Puis à un moment, il y a un autre gars, il s'est servi son verre et puis il a commencé à mettre une rasade. J'ai dit, c'est du. Oh, oui. Tu sais ce que c'est ? Et il dit, non, je sais pas. Il a goûté le truc et c'est là. Le truc. Moi je suis en chemise, puis je porte un pantalon noir, etc. Ici. Vrai de vrai. De vrai de vrai. Moi j'ai jamais mis une cravate de ma vie. Oups! La seule fois où je me suis habillé que j'ai mis un costume, c'était pour le mariage de ma cousine. Putain, genre j'ai revu des photos l'autre jour. Du mariage? Un jour inégalé en homme. Ouais. Ouais, t'as quelque chose à dire? Non, mais c'est pas forcément toi. Hein? Mais... hein mais quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit pas forcément toi, je pensais plus à moi, mais... Ah bon? Pourtant, je me souviens, il y a quelques photos, je suis bien gratiné. Oui, bon, après les photos, oui. Ah oui, donc elle valide, elle confirme. Donc... Mais non, mais... C'est compliqué, hein. Protégez-moi, les gueux. Mais putain! Mais dis qu'il branle Zadie, il t'appelle à tout! Et il se trouve bien que j'ai du mal que le patron il déchire, du coup je peux voir tranquille tout ce que je veux. J'avais pas déjà dit ça? Je l'avais dit la dernière fois que tu te buvais des bières. Ah oui. En secret. Tu t'avais même précisé que tu prenais ta bouche, tu l'accrochais directement au goulot de la tireuse et tu remplissais ton ventre! Si, du liquide ambré. En mais nique-toi, c'est juvénile. Regardez là, me harcèle. Comme les gens sur Twitter. Regardez là. En vrai, pour l'instant, j'ai toujours pas été plus bourré en fait. Ah bon? Bah, genre pompette. Putain, genre on rigole non, bien, mais pas c'est... Qu'est-ce que t'entends par être bourré? Bah... Bourré, c'est quand t'es genre vraiment... Blackout. Pas quand t'es pas bien, tu vois, parce que genre je peux être plus ou moins normal, mais avoir un peu envie de vomir, mais genre je considère pas comme être bourré, genre j'ai pas le... Enfin, comment dire, pas d'altération du comportement. Non, mais... Ah, bah... Je sais pas... Parce que, genre moi, je pensais que j'allais devenir full débile là, en buvant, tu sais. Genre oui. Quand je voyais mes potes. Mais non. Non mais c'est pas genre... Enfin tu les vois les gens qui sont bourrés, tu vois qu'ils sont plus trop conscients de ce qu'ils sont en train de faire quoi. Ouais. Ah non, c'est Z. Non, Z, la menace. Je vois pas acheter mes bottes. Mais moi de toute façon je suis... Genre j'ai tellement horreur de vomir que je pourrais pas... J'ai jamais si été... qu'il y a le moindre... J'ai jamais été bourré, par contre vomir, oui, c'est pour mieux repartir, quoi. Ouais. J'ai déjà vomi.
Non, mais moi, même si je sais que ça pourrait me faire aller mieux, alors je peux pas. Ah non, mais moi, j'ai pas fait exprès. Moi, c'était souvent, c'était genre après la soirée ou un peu avant. Ouais, ouais, je sais. Ouais, bah, je l'ai déjà raconté. Je sais plus. Parce qu'il y a une œuf où elle finit à poil. Sur un train. Cette pauvre vie sur moi. Et chasse avec moi. Il faut que j'étais encore modèle. Lélé. Lélé. Oui, mais ça va, c'est drôle. Mais je sais pas. Vous savez pas ce que t'appelles une altération du comportement, moi. Bah, en fait, tu vois que les gens, tu leur parles, ils mettent du temps à te répondre. Ouais. Bah, par exemple. Je vois. Ok. Mais parce que tu vois, tu bois combien de verres? Attention, ce sera sur YouTube. Ça dépend. Peut-être en une moyenne de 5, je dirais, mais bien étalé sur la soirée. Ouais. Et des fois moins que ça. Et quoi, ça fait pas de soirée Halloween? Putain, j'ai même pas fait un titre en rapport avec Halloween. Bah oui, mais Halloween, genre j'ai regardé sur l'image, il y avait rien qui se passait pour Halloween, du coup j'ai fait bon. J'ai pas d'amis moi du coup, donc je rigole. Mais pour le coup, j'ai jamais fêté Halloween avec des amis. Ouais, moi non plus. C'est... Alors que sur TikTok, on les voit, les Américains qui s'amusent ouais. trop à faire des soirées avec des déguisements de ouf. Bah d'ailleurs, je t'ai envoyé un TikTok. Je suis la... C'était comme ça que ça devait se terminer. Halloween is a period of the year when you can dress like a total slut and no girls can talk anything about it. Et toi, Sol, t'as pas fêté ta soirée d'Halloween avec tes amis? Je te retourne la question. Putain, j'étais sûr que c'est... What? J'étais sûr que ça allait marcher. En plus, moi, il y a eu un drama dans mes amis. Et du coup, c'est chiant. Ça coupe le groupe en deux. Bah, voilà. Bah disons qu'il n'y a plus de moment où on est tous de nouveau tous ensemble. Oh non, pas si d'as tes tons. J'ai grandi dans un rêve. Mais je veux... Bah ouais, mais si t'es de droite aussi, t'étonnes pas. Oh non. On va dire ça. Oh non, là, elle a défoncé la cata. Trop forte. Tu joues Kin d'ailleurs ? Tu joues Ash. Elle a même pas utilisé son R en plus pour la défoncer. Trop fort. C'est stylé. Elle joue avec tes pieds. Hein. Relevez-vous. Tenez-vous droit. Frappez fort. Petite gourmandine, les buissons. Faut éviter de dire le S-word. Mais putain, ça fait trop mal. Non putain, je vais me fuir. Je fuis. Mais pourquoi ils vont tous plus vite que moi, putain? Non, je dis que tous mes potes sont aussi de droite. Bah voyons. On forme une belle équipe. Oh, il s'est fait humilier le silence. Bien sûr. Boum.
C'est simple comme un blaster temporaire. Raté. Complètement raté. Non, Kaisa, elle a aussi dit complètement raté. Je suis une vilaine fille. Pardon. Pas dit ça. Quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est l'instinct de survie. En fait, faudrait juste pas que j'aille dans le fight et que je pop, peut-être. Ça marcherait mieux. Est-ce qu'on forme une belle équipe? Non. Non. On ne forme plus une bonne équipe. Et en vrai, dans ce film Oblivion, qui a jamais rêvé être un des robots blancs en boule? Et là, tu vibes. Oh, ta gueule, toi. Ah non, je suis mort. Mais c'est ça le problème, c'est que le fight, il vient trop à moi à chaque fois. Non, je fais tout pour l'éviter. Tel un grand garçon. Je vais faire quoi moi après sur Ark? Mais toi tu vas dormir là? En général, je fais un peu de yoga. Sur le sol, bouge-toi les oreilles. Alors attention, au sol, ne chope pas de... d'allergie. Ça veut dire quoi? Pourquoi ça a mis du temps à sortir? C'est parce que j'avais perdu le nom. Ne chope pas d'ulcère. Enfin, c'est pas vraiment du yoga, ce que je fais, c'est juste bah, des étirements et des gainages, plutôt. Des gainages. Le yoga, c'est une pratique qui prend en compte, genre, la respiration et tout. Mais la respiration, voilà. S'en fout. Ah, et c'est... ouais. Ouais. Ça rigole. Allez, c'est, la sauce s'éloigne. Bon, il y a des blagues dont on se lasse pas. Oh, c'est pas une game, on a pas dit la sauce s'éloigne. La sauce. Et la sauce. Mais merde, putain, on peut pas jouer dans cette game de merde. En même temps, ils ont aucune lingage à part Caitlyn en face. En bas qu'on ait pas de place. Ouais, mais c'est patate à Caitlyn. Petlinus. Pourquoi ils n'arrivent pas à finir? Oh, Kataïsus. Allez, allez, Pike. Allez. C'est pas facile. C'est pas facile, la vie d'un Pike. Ouais, je prends un 17-14 minutes. J'avoue que j'ai pas été poli en cette game. Donc toi, je suis pas tranquille pour jouer. J'ai l'impression que c'est toujours les jours l'anniversaire de quelqu'un dans cette... de... okay. Dans ce pâté de maison. Peut-être qu'ils ont pas compris comment ça fonctionnait un anniversaire. Là, c'est pas tous les jours. Joyeux anniversaire. C'est pas tous les mardis. Dans une des villes en Belgique, il y a des Tunisiens qui tirent en voiture sur le commerce, etc. Genre rodéo et la police fait air. C'est faire ça.
Sympa ça. Ouais. Une bonne ambiance. Je suis sûr que Sol, il attendait qu'on rebondisse. Bien joué. Ouais, je sais. Lui, il te tend des pièges. C'est classique, hein. Ça y est. Oh, ce kiting de qualité. Quoi? Elle a mis deux autos en arrière. Le symbiote chasse comme je le décide. Ils n'ont aucune échappatoire. Tu dis ça, je dirais, mais bizarrement, ils sont pas belges. C'est curieux. Il n'y a jamais aucun belge qui a fait de conneries. Ouais, en ce moment, à la fac de Limoges, il y a un mec bien blanc qui viole ses camarades de classe. Sympa aussi. Normalement, il est bien blanc. T'as un problème avec les blancs? Non. Juste que peut-être que le problème n'est pas si simple. Mais c'est simple! Mais que pensez-vous des pauvres unijambistes? Ah ouais? Non, il y a des femmes. Le mec n'est même... Ok, le gars, il viole des gens, mais il aurait pu faire l'effort d'être... d'être inclusif, quand même. Ouais, d'être inclusif, voilà. Ok, yo. Oh, quoi? Par contre, j'ai dodge son air avec ma boule de neige. Ça, c'était stylé. Je savais pas qu'on pouvait faire. Mais il joue avec nous comme des cobayes de laboratoire. Non. Allez, gros Nasus. J'imite Nasus. D'accord. Pas surprenant. Faut prévenir quand je fais ce genre de truc. Allez, oh le juju. Ah non. C'est beau. Voilà. T'as pas un gilet. Et du coup, le mec Animoche, c'est un fait connu. Ouais, en fait, il a été éjecté de sa fac, je ne sais où, il a été accepté à Limoges. Enfin, du coup, il avait été éjecté pour ce problème. Et du coup, bah, mais viens mon grand, mais viens mon bourletos. les assos à Limoges, elles essaient de faire réagir la fac. Ah ouais, parce qu'il a il a violé personne pour l'instant. Je sais, il a violé des personnes dans l'autre ville. Oui, voilà, mais je sais pas s'il a eu le temps de faire quelque chose, mais bon, peut-être éviter. Mais non, mais s'il a pas touché au Limojo, ça va. Ça passe. On est territoriaux, nous, en France. Bon, bah là, c'est fucking over, a priori. Non. Allez, c'est Skyrim, ils oublient ta dette. C'est ça. Ouais, quand même, fonce dessus, l'autre abruti, là. Lâche-moi. Laissez-moi, je veux pas me battre. Aïe. Et ça va, Shinji. Je vais parler.
Il y avait un cos... Il y avait un déguisement d'Halloween, c'était juste un mec... Il avait pris une chaise avec lui, une chemise blanche, un pantalon noir, et puis il s'assied sur sa chaise. Et c'était Go to the Inva Shinji, le nom de son costume. Je n'ai pas envie de me battre. Non. Son fort, c'est doubleur, n'empêche. Hein. Dans quoi je l'ai vu récemment, Shinji, là? Qu'est-ce que j'ai regardé? Ah ben, Edge Runner, je crois. Le doubleur, je crois que c'est celui de Shinji. Ah ouais, t'as... D'accord. Ouais, il me semble que c'est lui, hein. J'ai entendu le gars parler. Ouais. J'ai senti la détresse. Est-ce que c'était dans Edge Runner? Parce que Shinji, du coup, c'est Evangelion. Hein. C'est... Je sais pas si tu connais, ça. Et ouais, on a toujours pas vu. Attends, Alex, on s'était arrêté au bout de Evangelion. Au 2. Ah, mais Alex, n'est plus là. De quoi? Je te demandais à quel Evangelion. Mais je me rappelle. Je m'en rappelle plus, tout. Je saurais au mal. Je pense sur le remis. Mais... C'est le moment où. Mais arrêtez de vous construire. Attention. Je me rappelle bien le moment où l'Eva reprend sa. Non, putain, non, c'est pas ce moment-là. Faut qu'il... Mais je crois qu'on l'avait fini, t'as mis en plus. Mais non, mais oh non, je les avais tous téléchargés, on n'a pas fini. Mais il se passe quoi à la fin du dernier qu'on a regardé tous les deux? Je me rappelle plus. C'est pas celui où elle se fait. C'est celui où elle se fait croquer. Merde. La numéro 2. Mais vas-y, vas-y. Ah oui. Avec la musique d'enfant là. Pire moment, hein, ça fait pire moment. Evangelion, j'ai tout vu, j'ai rien compris juste à la fin. Ah hop, on dirait rien. Bah, analyse typique de mec de droite. Ouais, par contre, moi aussi j'ai tout vu, mais je m'en fais pas. Putain, mais cette game là rallonge. Là. C'est putain de fort. La peur. En vrai, je suis content d'avoir vu le dernier là récemment. Je l'avais pas vu, du coup j'ai vu les trois. Ouais. Et du coup, tu as bien tout compris. J'ai mieux compris en tout cas. Mais le dernier, c'est pas la fin. Là où j'en suis, c'était fini. Ah si, donc là il y en a plus d'autres des films. Ah non, c'est fini là, l'histoire. Mais déjà de base, en fait, l'histoire elle s'arrêtait de façon assez abrupte. Parce que c'était pas prévu que ça continue spécialement, mais je pense que les gens ils ont forcé pour. Ils voulaient comprendre. Du coup, ils ont fait des films pour ça. Déjà, ils avaient créé des fins supplémentaires. Si, ouais, c'est un push, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'est pas mort encore? C'est parce qu'ils jouent avec eux depuis tout à l'heure, ils finissent pas. Attention, voilà ce truc. Oui, non, mais la sauce, est-ce que t'as compris? De quoi? La sauce. Voilà. Quoi, la sauce? Qu'est-ce que m'emmerde? La sauce. Pourquoi tu parles de sauce? Ah, c'est Johnny. Oui. Oui, allons. Exterminé. Nice. Bon, fou, on finit. Ça leur apprendra. Ou alors non. Fini, putain. Mais qui se pose des questions? Pas le moment d'avoir un dilemme moral. Mais je ne veux pas me battre, papa. Otan-san. Migaro. Otan-san. Qu'est-ce que ça me fait plaisir quand on finit une game et que ça me ramène au truc Discord et où je peux voir
ce que j'ai fait. Les belles bactéries. Non, la bille. Trou noir. Tu devrais les mettre en fond d'écran de ton ordi, tu les verrais à chaque fois. Non, c'est bon. Oui, c'était pas mal. Je suis à ce point. Ils étaient pas mal, nos alliés, là. Hein. Regarde Vinland Saga, ça c'est un truc d'homme. De vrai. Je sais même pas ce que c'est. C'est le truc avec des Templiers. Ah non, c'est ça là. Ah oui, c'est réputé ça. Justus. Salut. Vous partez là sans dire au revoir, sans. Bah, si, moi je te dis au revoir, hein, mais. Au revoir. Au revoir les abos, je vous aime, bisous sur la fesse droite. Oh, arrête, je vous dis pas au revoir. Ouais, mais je sais pas, j'ai vu passer des trucs, mais ça m'a jamais trop attiré, Vinland Saga. Bisous sur le pétou. Bisous. Il a dit quoi le binoclard là? Alors attends, duquel tu parles? Parce qu'on a tous des lunettes. Je sais même pas si on dit Vinland ou Vinland. Genre, j'ai tapé Vinland, je regarde les images sur Google, on dirait que c'est genre Berserk, sauf que en fait c'est Guts qui est blond. Voilà, c'est tout ce que j'avais. c'est l'enfant de Guts et Griffith. c'est Griffith ou Griffith, je sais plus. Je crois que ça s'écrit Griffith, mais je sais pas s'ils disent le T. Ah, je sais pas, ils sont chiants. C'est pas Griffin ? Non, vas-y, je sais. Griffin. Ah non, Griffith, je dirais plus. Top 10 Griffith place to stay. Alors non. Ouais, c'est Griffith. C'est Griffith. 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 Sorry gay. No, sorry racist. Ah oui. Oula, sorry gay. Yeah. Menti, sorry racista. No. Bon allez, sur ce sol, on va te laisser. Moi je vais aller, je sais pas ce que je vais foutre sur Ark. Ça risque pas d'être passionnant. Tu gardes pas le live allumé? Quand je suis tout seul, j'ai pas la foi. Que voilà. Et puis sur Ark, je sais pas. Ouais, là, je fais des trucs. Je vais chercher du fer, des trucs comme ça. C'est pas palpitant. T'avais pu récupérer ton stuff? Ah, je vous avais pas dit quand ça c'était fini? Non. Attends, le mec de l'Uni, là, son nom, c'est peut-être Griffith. Le mec, il est bien blanc, là. Il est bien blanc. Et du coup, ouais, mon stuff. En fait, j'étais allé une première fois avec un autre oiseau. Et je me suis fait rebouffer la gueule, je crois. Mmh. Ah non, ça, c'était peut-être la première fois, je crois. Bon, bref. Et du coup, j'y suis retourné. Et j'ai réussi à le choper, j'ai tout bien préparé, genre j'ai pris une armure de fourrure avec moi pour y aller, machin. Et j'ai retrouvé mon stuff, pas celui de mon oiseau, où il y avait 2-3 petits trucs, mais pas très grave. Donc j'ai réussi. Mmh. Et dans la foulée, vu que j'avais ce qu'il fallait, j'ai réussi à choper un bon mammouth et un bon loup. Du coup j'ai pu commencer l'élevage de mammouth et de loup. Ok. Et du coup, tout s'est bien fini. Bon, j'ai toujours pas de smilodon là, je peux pas faire une troupe de miaou. Bon, je te laisse, moi il y a Alex qui m'appelle. Yep. Allez, à plus. Bonne nuit.